Do you fear the modern world? Bonjour tout le monde Mark Arnold, amateur de mini Cooper, de bonnets sans pompons, de petites lunettes rectangulaires, claviériste clarinettiste et saxophoniste allemand, et aussi musicien dans de nombreux groupes comme Seven Steps, The Green Door, Cyril, Toxic Smile, Flaming Row ou UPF, vient de sortir son premier album solo. C'était long à dire tout ça. Bon, solo, c'est beaucoup dire en fait, étant donné l'impressionnant nombre d'invités présents comme Craig Blooddell, Cal Wallner, Steve Andrew, Mark Minenman, Luc Machin ou Derek Sherinian. Art Rock Project se présente sous la forme d'un double vinyle bleu d'une heure et quart comptant sept morceaux. Sept morceaux, une heure et quart Oui, ça donne une moyenne de plus de 10 minutes par titre. Il faut dire que l'album débute par une pièce de plus de seize minutes et s'achève par six pistes qui forment le morceau Berlin 2049, long de près d'une demi-heure tout de même. Avec les vinyles sont arrivés plein de goodies un chocolat au lait que j'ai mangé, des dessous de verre rangés dans le bar, un stylo bic classos qui a servi à écrire cette chronique, une carte de téléchargement pour la version digitale. Et une autre avec un petit mot manuscrit en allemand signé par Marek que je range avec mes autres dédicaces. Oui, c'était une édition limitée assez coûteuse, mais je suis fan de l'artiste depuis que j'ai découvert le groupe Seven Steps de Green il y a une vingtaine d'années grâce à mon ami Suze Merlin. Bon, c'est sympa tout ça, mais il est comment cet album en fait La réponse ne va pas être simple. Art Rock Project est un patchwork musical pour de nombreuses raisons. Il y a tout d'abord la multitude des voix et musiciens qui se rencontrent ici. Au passage, on y retrouve Mélanie Mo et Martin Schnella, mais également Ulf Reinhardt ou Anne Trottmann, des artistes que je connais depuis assez longtemps. Ensuite, l'album oscille entre Art Rock, Prog et metal progressif sans trouver une réelle direction musicale. Du coup, on passe du coq à l'âne, un peu comme chez UPF ou Seven Steps to the Green Door. Les six pistes de Berlin 2049 sont les plus cohérentes. Ceci dit, c'est normal puisqu'il s'agit d'un mini concept de 26 minutes. C'est aussi mon morceau favori avec le premier en trois parties A Story of a Separation and Lost. Celui-ci, fort de plus de 16 minutes d'écoute, fort de clavier, de métal progressif, de violon, de guitare déchaînée et de piano jazzy, est un feu d'artifice instrumental avec la voix de Larry sur quelques couplets et refrains. De la grandiloquence certes, mais suffisamment bien dosé pour que l'on ne soit pas submergé avec deux instrumentaux cinématiques pour emballer le tout. Avec Stage, je retrouve mes deux amis Mélanie et Martine en compagnie de nombreux autres artistes comme le guitariste de R.P.WL. Même s'il y a quelques belles envolées et malgré le violon de Steve et le saxo de Marek, je trouve le titre relativement convenu après le premier triptyque. A Time of Misery est un délicat interlude acoustique où Manuel Schmidt pose sa voix sur les instruments à vent de Marek. J'adore le morceau, mais j'avoue qu'il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu de cet album. Le papillon de 10 minutes est dans la veine d'un Seven Steps de Green Door, débutant au piano et saxophone avec la voix du chanteur de Sub Signal pour s'électrifier vers la moitié. Come Away With Me, chanté par Zeyna, est une agréable guimauve qui ne marquera pas les esprits, et si Cold Run semble prendre le même chemin, le titre épouse rapidement une forme orchestrale tumultueuse qui nous extirpe d'un début de torpeur. Reste Berlin 2049. Le titre aurait pu constituer un mini-album seul. En fait, Art Rock Project mérite la découverte rien que pour ce morceau. Marais qui raconte une histoire futuriste et le visuel du vinyle illustre très probablement le titre. Un vaisseau qui vole près des gratte-ciel avec Marek Island aux commandes devant sa table de mixage. En plus, il y a un solo de trompette sur Rain Will Fall One. Et j'adore la trompette « Brain Will Fall 2 » est sans doute ma partie favorite avec Anne Auchan. J'aime beaucoup « Berlin » et « Riding the Line » où une voix off décrit le monde en 2049. Je suis un peu moins fan toutefois de la troisième partie funk électro rock « Live a Well Enough Alone ». Ne nous mentons pas, il faut quelques écoutes pour apprivoiser l'album. Les morceaux faibles prennent peu à peu leur place entre les deux géants et Art Rock Project finit par devenir un tout, certes un peu hétérogène, mais très plaisant à écouter avec de grands amphores. Dommage qu'on ne puisse pas l'écouter sur Bandcamp. Désolé pour cette très longue chronique, mais bon, l'album était long aussi, il y avait pas mal de choses à dire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. D'ici là, portez-vous bien. Bisous